ECP Formation est un organisme spécialisé dans la formation de formateurs. Notre activité se décline autour de trois axes. Le premier, devenir formateur. Devenir formateur occasionnel pour des personnes qui ont à animer occasionnellement une séance de formation. Et devenir formateur professionnel, une formation qualifiante qui mène au titre professionnel de formateur professionnel que nous faisons en grande partie à distance. Le deuxième axe est celui de la qualification et de la formation continue des formateurs en exercice. La qualification par l'accompagnement au titre professionnel de formateur professionnel par la VAE que nous faisons à distance et la formation continue par des formations qui sont proposées ou sur des demandes spécifiques d'organismes de formation ou d'entreprises. Le troisième axe est celui de la formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage qui, selon nous, sont des formateurs qui doivent maîtriser des compétences pédagogiques et managériales. D'autant que nous considérons la formation en alternance réussie qu'avec un accompagnement de qualité en contexte professionnel. La qualité tient une place centrale dans notre activité. D'abord parce que ECP Formation est un organisme certifié, ce qui signifie qu'il répond aux critères de qualité en vigueur. Ensuite, nous travaillons exclusivement avec des formateurs de formateurs. Et enfin, parce que nous formons et nous accompagnons des formateurs et des organismes de formation chargés eux-mêmes de proposer une offre de formation de qualité. Dans un premier temps, je dirais que toutes nos formations reposent sur un mode de formation action, recourant à des méthodes actives où chacun des participants est amené à agir le plus possible et en lien avec son contexte professionnel, considérant chacun acteur et responsable de son parcours. Nos formations sont donc nécessairement très individualisées, ce qui nous amène à travailler avec des petits effectifs. Une autre spécificité tient dans notre incitation à utiliser le plus possible le numérique en formation, car nous considérons que la formation, aujourd'hui, doit répondre à un monde de plus en plus connecté. Pour finir, je dirais qu'un organisme de formation a un devoir d'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle. En cela, ECP Formation reste présent auprès de ses participants après la formation, dans une dimension d'aide et de conseils.